Yo Serge, ça va? Ah, ça va et toi? Ça fait longtemps. Quoi de neuf? Ah, ça fait longtemps. Ah bah, rien de spécial, ouais, je suis tranquille. Je joue à Dofus comme ça, à mes heures perdues. Ah, t'as repris le Ouais. jeu? Ça tombe bien, moi aussi j'y joue. T'es Bah, c'est bien, on va jouer ensemble. niveau combien? Ah, je suis sur un petit niveau 53, mais je vais pas te le cacher, j'ai pas voulu reprendre mes anciens comptes. J'en avais à peu près 20, Ah ouais, tu jouais 25. avant? Mais j'y jouais, moi j'ai commencé vers le début, j'avais 10 ans à peu près. Je les ai aidés, tu sais, en Kamal. Moi je les ai aidés, je leur ai donné plein d'idées, tu vois. Sérieux? Ouais gros, les bouffe tout. Les bouffe tout. Eh bah les bouffe tout gros, c'est moi qui leur ai dit. Ouais, je suis arrivé comme ça. Et puis, tu sais, moi je reçois des mails comme ça, je sais pas pourquoi. Tu sais, j'avais dû recevoir les mails d'Ankama, tout ça. J'ai coché le truc, j'étais petit, je savais pas trop ce que ça faisait. Et puis, il a dit, Ouais. ouais, vous avez des idées pour les monstres et tout. Et puis là, gros, j'ai regardé par ma fenêtre. Tu sais ce qu'il y avait? T'avais un berger, il est passé dans le champ à côté de chez ma mamie. Il est passé comme ça. Et Au il avait calme. ses moutons. Et du coup, j'ai fait, oh, des moutons. Tu vois, là, je les ai vus commencer à bouffer le blé. Tu sais, je me suis dit, ah, le mouton, ça bouffe le blé et tout. Et là, gros, j'ai fait quoi? Je fais, Forcément, ouais. mec. Mouton, ça bouffe tout. Oh, elle est direct. Direct, j'ai fait quoi? J'ai fait Ah les bouffe ouais! tout. T'as créé le, en Ouais, fait gros. le carrément le nom quoi, Bouffetout. Ouais, c'est moi qui ai inventé le nom aussi, ouais. Je vais Putain, pas te le mais. cacher, sans vouloir me vanter, j'ai pas inventé que ça non plus, tu vois. Ah ouais, Enfin, t'as fait quoi tu d'autre, genre? sais, ils m'ont sorti quoi? Ils m'ont sorti. Ouais, on va faire une quête, faut avoir 6 Dofus, des œufs de dragon et tout. Ouais, j'ai fait. Allez, mec. Et pour ajouter du contenu, et pour bien niquer le monde, eh ben. On va faire quoi? On va faire des faux Dofus. Et là, gros, Dofus Kawot. Ils m'ont dit, ouais, on va faire une île avec des lapins. Je fais quoi? Je fais, hey, mec, le roi de l'île, c'est un putain d'usurpateur. Bim. Dofus, info. Dofus Kawot, 62 sagesse. Tout le monde l'aime. Et c'est Bonne toi idée, qui ça. a. C'était ça, c'est toi, c'est toi quoi. T'as tout créé quoi. Mais j'ai créé le Dofus Kawot. Putain. Créé. Bon, le design, c'est pas trop mon trip. Du coup, j'ai laissé ma soeur faire. Elle avait 6 ans. Ah ouais. Elle a fait ça, putain. Elle qui a fait le design, ouais, gros, elle l'a dessiné tout ça. Après, ils l'ont mis sur ordinateur, parce que moi je sais pas trop faire, tu vois, c'est pas trop mon trip. Ah, elle est Bon, talentueuse, hein, putain. allez, gros, c'est pour ça que ça ressemble un petit peu à rien à l'intérieur, mais tranquille, tranquille. Il est joli, il est orange, tout ça, le Putain, orange tu ça m'avais plaît. dit que. Putain, tu m'as raconté de nombreuses choses quand même de tes voyages et tout, mais si tu m'avais dit que c'était toi qui avais. Putain. Et Mec. bah, tiens, quand on parle de mes voyages, et bah, tu sais quoi? Ben, le donjon des chiens, gros. Tu vois, le petit donjon là, tu sais, que t'as niveau 20 et tout. Ouais. Bah, gros, c'est moi qui je les ai aidés. Je l'ai pas inventé. Ils m'ont sorti, ouais, donjon des chiens. J'aurais dit, oh, moi, je suis allé en voyage, j'étais en Amazonie, tu vois. Je sais plus exactement où, mais j'y étais avec mon tonton, tu vois. Genre, il m'a payé le voyage et tout. Ouais, j'ai vu des plantes là-bas, mais c'est moi qui les ai aidés à faire. Tu sais, le boss, là, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est moi qui les ai aidés à faire. Genre, je lui ai dit, attends, tu vas faire un truc un peu bizarre et tout. Bah, ça va plaire, tu vois. Et là, et bah, bim, inspiré d'une plante d'Amazonie que personne connaît. C'est moi Ah qui l'ai bah. découvert cette plante d'ailleurs. Ah ouais, t'as découvert une espèce de plante J'ai végétale. découvert une espèce de plante. Bah, attends, tu crois qu'il s'est inspiré d'où, le boss du donjon? Attends, Putain, les ça va être moi, mecs. gros. Ah, tu mets pas tout le temps avec tes histoires. Allez, gros, bah, attends, bah, c'est pas grand chose, tu vois. Juste un peu aidé comme ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. Et t'as d'autres anecdotes comme ça sur Dofus ou? La classe Sacrieur, j'ai un peu aidé aussi, tu vois, parce que je me suis inspiré un peu d'un petit truc comme ça. Ouais, j'aime bien taper les gens et tout. Genre, moi, j'avais 3 ans, je me battais à la crèche, tu sais, faire saigner et tout. Et là, je me suis dit, bah, les gars, on va faire une classe où les gens, bah, ils aiment saigner, tu vois, ça aime se battre. Et bim, Sacrieur, il est né. Putain, les mecs. Si on m'avait dit que. Si on m'avait dit que Serge avait fait tout ça par rapport à Dofus. Ah, franchement, mec. C'est pas grand chose. Je t'ai pas tout dit Mais là, c'est encore. Je toi t'ai qui pas me tout dis, ça vient dit. de ta bouche, du coup, je te crois. Là, je te crois. Mais. Mais il faut. Jamais je mytho. Attends, ouais, je dis que la vérité. Et je Ah te raconte non, tout tu vas comment pas ça du s'est tout. passé. Tu me crois au moins. Ouais, bien sûr, on est potes. Bien sûr, je te crois. Et voilà. Des conneries. Ah putain, tu m'as bluffé, quoi. Ouais, c'est rien, c'est rien. Bon, encore, c'est pas tout, hein. T'as d'autres Y'a trucs d'autres.
Je sens que t'as d'autres trucs. Je sens que t'es. Allez, 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 allez. mais fais pas ton. C'est bon, je sais que t'es humble, mais. Vas-y, dis-moi. Bon, le conflit, Bonta Brakmar, tout ça, je vais pas te le cacher. J'en ai rêvé, tu vois. Genre, j'ai fait un rêve une nuit, je me suis réveillé, bim, j'ai appelé Toth là. Je l'ai appelé, tu vois, j'ai son numéro, j'ai son numéro. Ah Je l'ai ouais, t'as le appelé. numéro de Toth? Mais oui, gros, c'est un pote, Ah, on se connaît depuis des années. Anthony Roux, le patron d'Ankama. Ouais, t'inquiète pas, Ah ouais, ouais. t'inquiète pas. Tu vois, j'ai son numéro. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mec, j'ai fait un rêve de malade. On va faire les anges et les démons qui se battent. Et les démons, genre, ils viennent d'une dimension parallèle et Mais tout. comment Les chouchous, tout c'est son ça. numéro personnel quoi, c'est y a pas de Mais secrétariat ou quoi? oui. Ah non, 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 c'est vraiment son numéro à lui. Je Ah l'ai appelé putain, tu et pèses. il a un peu amélioré l'idée, tu vois. Bon, on en a discuté pendant 1 heure ou 2. Ouais. Tranquille, tu vois. Puis bon, du coup, allez, vas-y, conflit Bonta Brakmar. Et Même. il a pas dit, enfin, je veux dire, l'idée, elle a été, elle a plus directe, quoi. Il t'a pas dit, ouais. Allez, le mec, il a fait putain, mec, t'as une idée de génie. Mais en même temps, voilà, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve. Ah, ça t'as eu l'idée, quoi. Une, comment J'ai dire, eu une une révélation. étincelle, une révélation, voilà, ouais. Et voilà, ça Et t'as arrivait tout comme ça, donc. imaginé de trucs, les ailes, les. Ouais, Enfin. gros. Ouais, j'ai été un peu aidé, je vais pas te le cacher. Il y avait mon petit frère, il m'a dit, vas-y, on va les faire mettre des ailes et tout autour du nom du personnage, ça va être trop stylé et tout. Ouais, mon frère, il avait 7 ans à l'époque. Il joue à Dofus aussi, direct. On joue à Dofus dans la famille depuis des années. D'accord. Hein? Putain, tu m'apprends des trucs là? Eh gros, ouais. Mais moi, ça fait. Attends, on est en quelle année? On est en 2017. Ah, ça fait 10 ans, je joue à Dofus. Tu sais, j'étais l'un des premiers level 200, tu vois. Genre, moi, le jeu, tu sais, Ah ouais? j'ai bien torché. Ouais, je jouais encore sur Dofus 1, tu vois. Là où c'était encore en noir et blanc, les sorts, tu vois. Ah, le Mais début, quoi. j'étais l'un des premiers level 200. Moi, je passais, tu vois, je passais sur une map. Les gens, ils disaient, ah ouais, c'est lui, premier level 200 du serveur. Vas-y. Les gens, ils me demandaient des échanges, t'es pour me donner des kamas, tu vois. Putain, Serge. Premier level de... C'était quel serveur? T'en rappelles plus, je C'était parie, ça fait longtemps. sur Elzéphine, je crois. D'accord. Et attends, j'ai joué sur tous les serveurs à peu près. Enfin, il y a longtemps, ça. J'ai joué sur comment il s'appelle? Sur Goultar, Ah, sur t'as connu Gilmar. le serveur comment on dit secret là? Enfin, il paraît, moi je connais pas moi, mais il paraît qu'il y a un serveur secret. Ouais, j'ai joué dessus, mais faut pas trop en parler parce que justement, comme tu l'as dit, c'est secret, tu vois. Ça reste que avec les gens qui étaient dessus. J'ai fait quelques rencontres, tout ça. Ouais, on s'est dit, les gars, le serveur secret, personne n'en parle. On va éviter d'en parler parce que, voilà. J'avoue, c'était mon idée. J'avoue, ça aussi, c'était mon idée. J'aurais dit, les gars, on va faire un petit serveur comme ça, que les boss qui jouent dessus, tu vois. Ah bah, j'étais le premier level 200. J'étais le premier level 200. Et ça fait quoi alors d'être premier level 200? C'est de la fierté quand même. Ah, ouais, t'es fier. Les gens, ils te respectent, tu vois, c'est bien. Déjà, j'étais déjà respecté parce que j'avais inventé plein de trucs, tu vois. Moi, il y avait mon nom, tu sais, à l'époque, sur le donjon Bouffetout, au tout début, tu vois. Il y avait écrit By Carnex, tu vois, c'est mon Ah, pseudo en c'était jeu, tu vois. ton nom de personnage. Ouais, c'était le nom de mon personnage, tu vois. Et ouais, quand j'arrivais, tu sais, les gens, ah ouais, c'est lui, il a créé le donjon et tout. Ah, Carnex, il a il était fait le reflet respecté et quoi, tout. le perso de Ah ouais, bah Carnex. direct, direct. Les gens, ils me voient passer, ils font, waouh, mais c'est lui. Genre direct, la map, bim, t'en as plein, ils prennent le zap et tout. J'arrive à un zap, ta, le mot il passe, tu vois. Les gens, ils disent, ah ouais, Carnex Ah ça là. devait faire des mouvements de foule de ouf en fait. Ouais, mais les gens, ils me spammaient, j'étais spammé de messages. Putain. Et je suis ce qu'on appelle une légende. Ah ça va, t'as une grosse tête quand même là. Ah non, 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 non. Tu sais pourquoi je suis une légende? Parce que je suis aussi le premier à avoir fait la quête L'éternelle moisson. Le premier à l'avoir fini. Tu sais, la quête bien bien longue, tu vois. Eh ben, je l'ai fait sur 8 personnages. Ah, je la connais pas, mais je pense qu'il y en a qui voudront bien le croire, hein. Ah bah ouais, le Dofus Ocre. Putain. Oui. Ah, là, on parle de, Dofus à impair. là, on parle des Dofus, Ah là, là, on quoi. parle du vrai Dofus. Celui-là, je l'ai pas inventé. J'ai un peu aidé à changer le design, tu vois, parce que je trouvais au début il était moche. J'ai un Ouais. peu aidé à changer tout ça. Je leur ai dit, les gars, faudra peut-être changer un peu les couleurs, tout ça. Changer un peu ce qu'il y a à l'intérieur, parce que bon, c'est pas très beau. Et puis ils ont fait, ah ouais, ça arrête, t'as raison, tu vois. Genre, ils m'écoutent. Ankama, ils m'écoutent. Dès que je leur donne une idée, de toute façon, ils m'écoutent.
Wow, du coup, on a un peu changé un peu le design, tout ça. Bah, tu sais quoi, si t'écoutes, tu pourrais leur dire qu'ils font en sorte que les gens dans les guildes, ils peuvent pas modifier le message de guilde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que des fois, Ouais, je vois, t'as ouais. des mecs bas niveau comme ça, et tu les connais pas, tu viens juste de le recruter, le mec, il te modifie ton message de guilde. Du coup, je suis obligé de mettre modification du message de guilde interdite. Bon, C'est voilà, quoi? c'est petite C'est quoi? parenthèse, c'était juste. Tu sais quoi? Je vais envoyer un SMS à toi. Je vais dire, vas-y, je vais dire à ton équipe de changer ça parce que ça pue. Voilà, si tu Mais peux je lui vais mettre lui envoyer un l'impression, SMS. genre, tu vois, si jamais c'est ton pote, tu lui dis vas-y tout de suite, genre maintenant, tu vois. Ouais, je vais lui dire, je vais Même lui si on dire. est Je vais lui dire de dimanche. faire ce qu'il peut. Et qu'on est Tu dis dimanche. pas que c'est moi, hein, tu tranquille, vu que c'est Ah ton non, non, pote, je tu dis lui que c'est dis mon idée. Je dis que c'est mon voilà, tu idée, comme vois, ça. réveille ton équipe et tout le dimanche là, dis-leur qu'ils travaillent. Ouais, tranquille. Attends, je fais ça, je te fais ça. Attends. Hop, alors, il est où? Ouais, je suis désolé si je suis un Allez. peu. Je joue en même temps. Y'a Si pas de je. soucis, y'a pas de soucis. Ouais, c'est bon, le message est envoyé. Vas-y, bah tranquille, même s'il te répond pas aujourd'hui, c'est pas grave, de toute façon. Ouais, mais il va le faire, il va le faire. Il m'écoute, il m'écoute. Ouais, c'est mon pote, on se connaît depuis des années. Ciao. En même temps, c'est vrai que j'étais un petit peu. Tu vois, c'est moi qui lui ai donné l'idée de Dofus. Parce qu'à la base, je le connaissais, tu vois, on a grandi ensemble, tout ça. Et ouais, je lui ai donné l'idée, tu vois. Je lui ai dit, mec, vas-y, t'es fort, tu vois. T'as de l'imagination et tout. Vas-y, tu crées un jeu, tu vois. Et puis, bah, il a créé Dofus. Tu vois, je lui ai donné un peu le nom, tu vois. Je lui ai dit, vas-y, tu vas faire un truc. Va falloir chercher des œufs, tu vois. Les œufs, ils sont surpuissants. T'auras un petit personnage, tu vois. Tu vas le faire monter de niveau et tout. Et les œufs, on va les appeler Dofus, tu vois. Et là, il a fait, oh, mec. Vas-y, direct, ça va marcher, tu vois. Eh bah, eh, regarde, il a même créé Wakfu. Bon, ça, c'était pas mon idée parce que ça a pas très bien marché. Tu m'étonnes, les mecs, je t'aurais insulté. Non, ça, j'ai pas bossé dessus. J'étais, tu vois, franchement, j'ai pas trop bossé dessus. Époque où, tu sais, bah, je t'ai dit, j'ai fait un voyage en Italie. Tu sais, j'avais 12 ans, tu sais, j'étais avec le lycée, tu vois. Je t'avais expliqué ou pas? C'est là où j'ai rencontré un mec. Il me dit vas-y vas-y goûte, il me dit ça en italien, tu sais, bon, moi je comprenais pas tout, j'ai fait bon allez, j'étais avec un pote, tu sais, tranquille, le mec il veut nous faire goûter un truc un peu chelou, tu vois, mais le mec il avait un stand, ça sentait pas trop mauvais, vas-y on a goûté, bah j'ai fait mec laisse tomber, tu vois, je dis avec les trois mots d'italien que je connais, tu sais, et là je dis vas-y mais mec mais laisse tomber c'est dégueulasse, et là je dis vas-y rajoute du sel, rajoute un peu de truc là, change un peu, tu vois, mets un peu de sauce, du fromage, tout ça, et bah Ouais. mec j'ai inventé les pâtes au fromage, gros, j'ai aidé le mec à inventer les pâtes au fromage, Ah ouais. Ah c'est pas c'est rien bon. quand même. Et t'as pas des droits d'auteur et tout? Enfin, pas des droits d'auteur, des... Eh ben, Vinci, j'ai quelques actions chez Lustucru parce que le bonhomme, je l'ai rencontré, c'est le patron de Lustucru, gros. Putain, c'est le mec Regarde où il est. que t'avais rencontré quand t'étais petit, c'est devenu le patron... Eh ben ouais, c'est lui, c'est Monsieur Lustucru. C'est Monsieur Lustucru. Et puis, du Putain. coup, j'ai un cas, je me fais un peu de fou comme ça. Mais tu vois, c'est parce que je lui donne des idées à lui aussi de temps en temps, tu vois. Putain, mec. Tu sais, les spaghettis, tu sais, je me suis dit. Vas-y mec, on va faire une forme de pâte, genre que les gens ils vont aimer, tu vois, genre ça va Ah, être mais ça, tu marrant m'avais et tout. raconté, c'était pas le soir. Oui, tu me l'avais déjà dit, cette histoire. C'était le soir où t'avais vu Indiana Jones avec son fouet, là. Quand il... Et oui, voilà, bah oui, gros, je l'ai croisé Indiana Jones. Je l'ai croisé, j'étais au resto. Bah j'étais avec mon père. Et là gros, on croise qui? On croise Indiana Jones. Et tu sais, j'ai vu le fouet, j'ai fait. Oh putain, et bah du coup j'ai envoyé un SMS au patron de Lustucru, gros, direct ça lui a plu l'idée, direct ça lui a plu. Ouais. Et puis même Indiana Jones, Ouais, quand c'est je l'ai ça croisé dans quoi, le tu... resto, je suis passé le voir, tu vois. Je dis, ah, mec, j'adore ce que tu fais, toutes tes aventures et tout. Ça direct, tu vois, il y avait un bon feeling, tu vois. Il m'a dit, ah ouais, du coup, t'as vu un peu tout ça, ça te plaît, vas-y, viens. Et du coup, gros, tu sais, on est parti au Pérou ensemble. Ah Il m'a ouais. payé le voyage au Pérou, Tu on a veux vu dire des trucs. l'acteur ou c'était vraiment le mec, il était Non, déguisé, c'était enfin et... vraiment Indiana Jones. Non, Ah l'acteur, ouais. non, l'acteur, c'est un. Non, l'acteur, il a rien fait à côté. Il dit Ah, tout est inspiré. Tout est inspiré d'un vrai bonhomme. Du d'accord. vrai Indiana Jones. Ah Et moi, je ouais, l'ai tu m'avais croisé. déjà dit, ouais. Les spaghettis, c'est qu'en voyant le fouet, tu m'avais dit, Indiana Jones, tu t'es dit, Oui, putain, je t'avais faire des raconté. pâtes en forme de fouet et tout, ça va bien marcher et tout. Ouais, je me rappelle. Vaguement, je me rappelle vaguement. Je t'ai juste raconté. Oh, c'est pas grand-chose, les spaghettis, c'est pas.
un petit peu les pâtes que tout le monde aime. Hein. C'est mon idée, tu vois. Ouais, quand je vois ça, quand les gens ils me disent, ouais, j'adore les spaghettis, c'est super bon et Ah, c'est tout. comme s'ils t'adoraient toi, quoi, un peu. Ah ouais, voilà, c'est ça. Moi, ils m'adorent, tu vois. Ouais, je leur dis, ah, les gars, c'est moi qui l'ai inventé. Et là, ils me font, ouais, mec, franchement, t'es un génie. J'ai dit, bah ouais, les mecs, t'as les idées ou tu les as pas, tu vois. Ah, Et puis là, t'es le dieu de la pâte. les gens, ils m'aiment. Les gens, ils m'aiment juste quand ils savent que j'ai fait ça, tu vois. Putain, mec, entre Dofus et les pâtes, ouais, là, tu m'as bluffé, là. Ouais, mec. J'en apprends toujours Putain, t'as plein de... Tu regorges de talent, en fait, hein, de choses que t'as fait et que tu nous dis pas, hein, c'est... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je t'ai pas encore tout raconté. Bah, Là, on est sur un petit projet. On va essayer d'instaurer les pâtes d'Andofus, tu vois. Histoire de mélanger un peu tout. Bon, on essaye de modéliser tout ça, mais ça devrait marcher. Ça devrait marcher. j'espère, Il a j'espère. d'ici là 2,45, ça devrait aller, normalement. Bah, écoute. Bon, bah, moi je vais te laisser, j'ai un truc à faire. Bah vas-y mec, vas-y. Ah, c'était toujours un plaisir d'entendre tes exploits. Ouais, c'est pas vraiment des exploits, c'est pas grand chose. Vas-y, ça fait plaisir de te raconter, je sais que t'es intéressé et tout, ça t'intéresse, ça se voit que ça te plaît, donc ouais, si ça me fait plaisir de te raconter tout ça. Bah écoute. Ouais, bah écoute, ouais. Vas-y, bah moi je dois bouger, je te dis une prochaine. Eh bah ouais mec, à la prochaine. Allez Serge, ciao. Dis. Ah, ciao, en plus, italien, pâte. Ouais, tout est lié.